Fuck. Bon, mais là, let's go, c'est parti. On est dans le quatrième temple, je résume. Là, le but, c'est de faire sûrement trois temples pour upgrader mon épée. Parce qu'il va me falloir une épée plus forte. Pour ceux qui le savent pas encore, ce jeu-là, c'est l'histoire de la Master Sword. De l'épée de légende. Hein, savez-vous ça, cette affaire? Je sais pas où ce que je vois, man. Ça, je peux aller là. Le symbole gravé sur la grande statue de pierre dicte les règles de ce lieu. En premier vient... Quoi? En premier vient le dos, puis la C1, le C1, le dos de la main droite, et enfin le dos de la main gauche. Le dos, puis le C1. Quoi, le C1? Quelqu'un qui sait parler français. Mais Demon's Souls a tout gâché depuis ce temps-là. T'es devenu un vrai gamer. C'est même plus un meme. Non, mais pour vrai, c'est tellement ça. Je l'étais avant. Hein. Je l'étais avant, les grondins. J'avais mes heures sur The Binding of Isaac. J'allais sur les streams de 1UP, Anne. Toutes les gens qui voulaient jouer à Binding of Isaac. Puis j'ai télécommandé. Je leur disais, faut faire ça, telle affaire. C'est où s'asseoir? Le dos et le C1. Alors c'est peut-être le dos puis le cul. Le dos, le cul. Ah, c'est fort le son, man. Je peux pas baisser le son, c'est juste le... Et mettons, je lâche ça. Hein? Et saucisse, chose like, gros pet. Ah oui, ces affaires! Mais là, sacrifice, vous sortez les vieux dossiers. On l'appelait saucisse. Il y a du monde qui vient. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Chou? Je ressors les archives. Là, mon 8 bits. Alors, ça, c'était les meilleures archives, ça. Donc, je vais là. Est-ce que je peux. Ah, oui, c'est ça. Je me dis. Ok! Puis là... Attends, mais le coffre, il est où? Ah, c'est une porte. Il y en a qui ressortent vraiment les vieux dossiers, man. C'est ça. Où on s'assoit? Ok, donc le bas... Quoi? Ça va être long. Ah, c'est le fouet! C'est le donjon du fouet! Y'a un fouet. Tu garoches ça pis tu... Ok, fait que je suis arrivé là. Le fouet. J'ai pas envie de me battre. Meilleur. Frappe les quatre pierres dans le bon ordre. La voie s'ouvrira à celui qui suivra les règles de ce lieu. C'est pas le bon ordre. C'est pour ça que je veux faire. Non, t'en fais n'importe quoi, là. Oh! Comment je fais pour savoir le bon ordre?
Mais non, mais il me donne des coups pendant le bon sens. Attendez une minute. C'est peut-être une indication quelque part. On dirait pas. J'imagine que c'est écrit quelque part. Ah! Le dos. Le dos, c'est tout ça? Mais non, mais calasse, c'est quand même pas à bonne place. La main gauche. La main droite. Le dos, c'est en haut. Le bas, c'est en haut. La main. En tout cas. C'est peut-être ça l'énigme. Moi, j'ai eu de la luck. Vrai gamer! Amenez-moi à Fort Boyard, man. Pas de poignet. Je veux. Mais non, mais je l'avais! Un petit peu de jus. Droite 6 en fait. Eh là là. C'est que je veux. Dans le fond, je pourrais aller là. Mais pourquoi je suis allé là? Ça sert à rien. Je remonte. Oh, regardons ça. Mais non, mais... Pardonne-moi le malawa. Ok, je vais reculer. Tiens, toi. Tu vas y arriver dans ce temps-là. Oh, c'est de la saloperie! Oh, ça fait mal! What? Attends une minute. Mais non, mais... Si je saute. Ok, c'est ça l'affaire. Faut que je saute sur les nénuphars. Mais non, mais. Ah! Ok, ça se contrôle mal. Ça se contrôle mal. Ok, fuck that. Je vais aller par là. Salut, petit loup. Ça va bien? What? C'est fermé? Non, c'est une grille. Faut vraiment que je saute. Je vais essayer celui de... qui est juste là, non? Je vais dire droit, je commence à avoir peur de dire le mot droit. Non? Ça prend un petit bout. Fuck, là, je suis curieux pour l'autre. C'est tout? On m'a dit que ça allait être là. Oh, c'est parfait, c'est le coffre qu'il me faut. Le fouet. Une clé de merde. Ok, la clé pour aller au centre. Parfait. S'arrêter un peu vite aussi. Attends une minute, c'est par là pour sortir. Oui! Big. Le fouet. Oh, une clé. Ben c'est ça, c'est un peu décevant. Ah, ok. Là, je pense que c'est bon. Non, ça fait du sens. Je viens de faire mon first rank, j'ai carry ma team avec 187 points, 16 kills. Nice, profite-en. Profite-en pendant que ça passe. Profite-en. Exact, mais c'est ça, tu sais, genre. Puis on se trouve, on a perdu Sensei, là. On va-tu revenir ou. Peut-être qu'il a besoin d'un break.
qui avait besoin d'une Snickers ou une Mars. Là. On veut notre fouetteuse. Es-tu là? Je sais pas. Oh, c'est une clé. Ah, oh, ouais. Faut genre fouetter, genre, pis... Allô, la caméra? Asti, il fallait ouvrir le truc. Combat! C'est la première fois qu'on affronte cette affaire. Salut, Novali, ça va bien? Oh, fuck, il me pogne! What? Mais non, mais... Non! Shit! Au secours! Je vois rien! Pourquoi il s'en retourne pas? Rien. Ça va bien, ça va bien. Salut Mané. Ça va bien. Oh! Ok, faut pointer. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Shit, motel. Deux cœurs! Je suis coincé dans le truc qui est là. Sous mes pieds, t'imagines ça? Il a perdu son casque, il a perdu son casque. Yes! Rabbit. Ça va bien, ça va bien. C'est bon, Sensei, là. Oh, mais c'était cool, ce petit combat-là. Par contre, il y a des trucs avec le joystick, là. Je suis pas sûr. Ok. Ah non, c'est vrai, je suis tombé en bas. Je pensais être sur le même étage que d'avant. Le talent. Ouais, on est pas pire. Oui, je suis pas mort, parfait. Et là, on a le fouet. Là, on a le fouet. Vous avez obtenu le fouet grâce à l'orbe de lumière. À son extrémité, il peut s'accrocher à de nombreux endroits. Oh oui! Cible avec Zahel, Zadel. Cibler les prises. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Utilise ton fouet de réglisse. Je sais pas s'il y en a qui ont la référence. Simpson. Ah, c'est ça? That's it? Mais regardez ça, c'est peut-être un petit fouet, mais regardez ça. C'est pas la grandeur qui est important, c'est comment on l'utilise. Ah, barouette, ça va bien, on monte dessus là aussi. Je suis comme curieux, qu'est-ce qu'il y a là? Wow, wow, wow!
sais pas parce qu'il y a de l'eau qui va monter dans ce niveau. Je me rappelle plus de ce niveau-là. Papa, tu joues quand à Mario Kart et Mario Golf, vrai gamer. Alors, Mario Golf demain. Parce que j'ai mon parcours officiel. Ah, regardons ça. Puis Mario. Attends, tu sais quoi, j'ai dit Mario Golf demain. C'est jeudi. Puis Mario Kart dimanche. Cherche la clé qui sommeille au fond de la terre. Bon, mais sûrement pas ici. On est pas au. Ah ouais, ok. Oh! Oh! Oh non, attends, mais là, faut que je monte de un niveau. Parfait. Puis là, il y avait des trucs à utiliser. Avec le fou. Mais demain, c'est minimum 18. Demain, là, si j'ai pas 18, là, je vais unfollow. Non, ok, je dis n'importe quoi. Demain, là, si j'ai pas 18, j'arrête dessus. Ah! Regardez les rubis! Regardez les rubis! Hein? Allô? Regardez les rubis! Mais calasse, je peux même pas me... Ok, il me faut de l'air, là. Attendez une minute, je suis cupide, moi, là. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Ah ah! Hein? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Attends une minute, c'est une main? C'est quoi qu'elle disait, la stealth? Mais sacrifice! J'ai spiné! Décris ça. Fais-je remonter? C'est à moi ça, j'ai 700, man. J'ai 700. Ah ouais, mon? Ok, avec B, c'est pas l'affaire la plus optique. Ok! Je suis assez content, j'ai 700, là. On va pouvoir s'acheter plein de trucs dans... quand on va sortir du donjon. Bon fouet suffira. Pas du tout. C'est pas ce qu'il faut, man. T'as vu, il fallait spinner. Spin! Allô? On est rendu à 17 heures de jeu. Spin! Spin that whip. Non, parce que moi pis Gab, on a un streamer en commun qui dit ces genres de mots-là. Spin! Vine Souls. Ah, il a recommencé à publier, hein. Il fait des rediffs, mais il est jamais live. Il met des rediffusions. Regardons ça dans le fond de nous. Ok, c'est parti. Se balancer, oui. Parfait, ça. Moi, il fait du rebroadcast. On a la map. Hein? Il y a un feu. Oh, le feu, il est là. Attends une minute. Là, il y a une porte. Une statue d'oiseau. Ok. Là, c'est fermé. Est-ce quelque chose qu'on peut voir ici? On dirait pas. Non. On va faire le tour, je pense. Mais t'as mal. Wow, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Oh!
petit coup de fouet, on l'attire. J'aime ça, j'aime ça. Ça me l'a peut-être que j'ai pas bien le regardé. C'est peut-être un truc qu'il faut tirer avec le fouet? Non. Hmm. Ah, c'est pour ça que ça shake, il y a le gyroscope dans ma manette. Ok. Non! Ok, let's go. Je vais aller dans cette direction. Ton ardeur nous réjouit. Quoi? Mais... Calasse! Ah que c'est mal fait. Ah que c'est mal fait! Salut, Altesse Antiterse. Qu'est-ce que c'est écrit là dans le chat pour qu'elle sorte? Je crois que c'est écrit dans ce chat là, non? Attends une minute. Avec le fouet, ça veut dire que je pourrais genre virer les nénuphars, je pense. Voyons. Voyons. C'est-tu bugué? Ah, ça c'est mieux. Oui, mais admettons là. Mettons que je sors par là. Il y a une sortie. Il y a une sortie. Fuck, je sais pas par où aller. Non! Chaque fois que Antiter s'écrit, Evil Moon écrit pas. Salut, Empereur. Alors attention, j'ai une petite nouvelle pour vous, c'est pas. C'est pas qu'est-ce que vous pensez. Ok, c'est bon. Faut aller dans la bouche. Voyons, je suis en train de m'étouffer. Ça, je dis rien. Hmm. Ok. Où c'est que je pourrais bien aller? Ça gosse, ça se contrôle tellement mal. Ok, fait que mettons je suis là. Ici. Mais c'est quoi ça? C'est un truc d'eau ça. Ah! C'est tellement bien fait. C'est tellement bien pensé. Voyons! Je vais mourir, man. Je pense que en 2021, genre, je pense que je vais m'étouffer en stream. Ça va pas bien. Antiter s'écrit, mais névrosette, non. Je sais pas qu'il est rendu où, ce compte-là. Je pense plus rien, on dirait. Oh non! Ça fout rien, cette affaire? Non, ça fout rien. Attends, comment on les bosse, là? Je n'ai jamais bu un. Battu un. Je suis pas prêt de parler. 20 rubis. Ah! What the fuck? C'est complètement cheaté, c'est quoi ça? Qu'il y avait dans le premier temple, il y avait cette affaire là. Oh shit! C'est peut-être le temps que je cherche comment battre cet ennemi là. Allô? Peux-tu juste te retourner? Oh que c'est mal fait, c'est tellement mal fait.
Ça leur revient dessus? Pas du tout. J'en peux plus. Oh! Ce jeu-là! Plus dur qu'un boss final. Attends une minute. C'est ridicule. En haut, en bas! Fais quelque chose! Oh my god! Oh! Y'a quelqu'un qui a spoilé? Il va spoiler comment il faut le battre? Ben incroyable, on a vécu toute une aventure, mesdames, messieurs. Ok. Bon. Je fais quoi, elle est rendue ici? J'ai encore un problème de... Genre, pour vrai, la panique à cause d'une araignée. Fais chier, je vais où? Ah, regardons ça. Il y a des étages différents. Hein? Pourquoi il met un X, là? Ça, c'est fermé. Rez-de-chaussée, ça, c'est en dessous de l'eau? Je peux rien faire. Ah! Peut-être que ça? Ça passe à travers les cages, je pense. Yo, ça passe à travers les cages. Je pensais que ça allait faire un peu de dommage, tu sais, quelque chose? Non. Oh! Mais non, mais n'importe quoi! Il est tellement fat! Mais là, il s'est suicidé! Oh my god! Mais attention, je veux des cœurs. Regardez bien mon talent de dessin sur Animal Crossing. Parfait. Waouh, à vous, hein? C'était incroyable. Un beau cœur, il était super beau mon cœur. C'est en train de chialer sur mes talents de dessin. Bon, c'était pas par là. C'était par là. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, mais pourquoi je peux pas remonter? C'est par là. Oh, je me fais lancer quelque chose. C'est-tu là? Merde, je suis coincé, c'est quoi cette affaire là? Ah, oh, va falloir que je fasse mon... Ok. Excusez-moi, j'avais oublié ce... ce truc-là. Parfait. Ah, mais... Ça va bien, ça va bien. J'étais un peu slow, là, sur ce donjon-là, mais ça va bien. Je pourrais m'agripper là. Oh.
Parfait. Il y avait absolument rien là. Faut pas aller plus haut. Meurs pas là! Fuck, je peux pas looter. Ah mais là, tu sais quoi je fais là? Back up. Oh, on est pas obligé. C'est sérieux au bout là. Quoi? Je peux pas le... Nev a de l'expérience avec Animal Crossing pis Garlic Phone, c'est ça? C'est ça que j'ai vu dans le chat. Hein? C'est vrai. Nice. Ça va bien, ça va bien. Tranquillement mais sûrement. J'aime bien ce donjon-là, Adam. Névrose, c'est... Quoi? Je donne un coup d'épée, fait quelque chose. Ok. Ça va bien. C'est quoi qui est pas correct là dans qu'est-ce que j'ai fait? Mes dessins étaient pas corrects? Regardons ça. Oh shit! C'est bien étrange, pourquoi il donne ça là? Déjà 17h30. Ton dessin était parfait, merci beaucoup. il était pareil comme... il était pareil comme dans le temps sur Garlic Farm. Sur Animal Crossing. Tu vois, j'ai easy Garlic Farm. Ah, regardons ça. Non! Oh my god! Hop. C'était ça. C'était ce nom, ça. Hop. Puis en haut, y'a-tu quelque chose? Non. C'est comme un vrai sous-sol, man. Y'a des araignées partout. Oh, ça pousse! Ah, j'ai pas de clé. C'était bien pensé, ça. What the fuck, c'est la première fois qu'on fait ça dans un Zelda. Hein? Mais il est... T'en as rien de moi. Ah, c'est bien weird. C'est quoi qu'il y a, ce coffre-là, coudon? Oh, ça va la peine. C'est pas bien volé. Mais travailler, c'est... C'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus des paroles. Voyons, je suis coincé. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Demander de la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Right? Regarde-tu?
Exactement. Joe, il a tout compris. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Demander de l'acheter, c'est quelque chose. Je peux pas faire. À bon sur Twitch. À bon sur Twitch. Ah, mais ça va être là. Voyons. Ça se déroule bien. Là. Petite sauvegarde. Je pense qu'on est au moins un. Comme on a vu ça à la carte. Tout à l'heure, c'est ça? Non! What the fuck? On est revenu en arrière! What? Mais là, c'est quoi la différence maintenant? L'eau est-tu plus haut? On prend tout? Deuxième drink, pimpé. Yes, sir. Là, je confus, là. Que je vais faire à revenir en arrière. C'est quoi, j'ai acquis une clé. Voyons. Faut que là, faudrait que je chauffe. Là, faudrait que je le revais. Il faut. Non, mais fou, tu sais, moi, le camp, il est comme. Luzerg. Vétéran. Oh oui! Good job. Good job. Mais j'ai rien activé. J'ai été trouvé. C'est quoi qui a changé depuis? Mais non, mais si je reviens là. J'étais là. J'ai descendu là. Moins. C'était barré, il y avait un barreau de je sais pas trop quoi. J'ai été voir la musique 1977, je comprends que ça. Ça me dit rien. Quoi? Bon minute, là. Il est trop bien Zelda, ben oui mais c'est ça, mais attends une minute, je vais retourner sur mes pas. Ben fucked up. Là mettons je le retourne là lui, je peux-tu le pogner? Non, il a mis une petite clôture, les tannants. Attendez, faut que j'observe parce que je trouve ça vraiment étrange. Ok, ça me donne un raccourci, mais... J'ai rien débarré. Pour ça. Regarde en dessous de l'eau. Ara, c'est un zoomer, c'est ça qu'il dit. Ah. Salut, salut, Night Obvious, ça va bien? Puis non, je vais explorer la zone. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé, mais je l'ai pas remarqué. Retournons ici. Peut-être là. Oh! Dégelé. Ça va bien toi? Ça va très bien. Pop de Chine
de l'Est. Qu'est-ce que vous racontez dans ce chat? Tout le monde a... Ça va sans bien? Moi, je comprends pas mon chat. Peut-être qu'il y a une discussion que j'avais pas compris. Tout le monde qui parle de la Chine. Même Mirelli est weird là, en soi. Ok. Là, il se passe rien, là. D'accord? Il se passe absolument rien. C'est sûr qu'il y a un truc pour faire monter le niveau de l'eau? Ou le faire descendre? J'ai pas pris de clé? Ah, oh, ça doit être ça le coffre! Faut être la clé? Cherche la clé qui se met au fond de la terre. Ben oui, mais comment je... Ouais? Allô, j'ai ouvert mon... Ça, c'était juste une pièce? Mais je fais n'importe quoi. Mais sous l'effet de l'alcool. Bon, encore, c'est de ma faute. Exactement, c'est Paul. Paul le soulève. Bon. Donc là, on est allé en dessous. J'ai débloqué la porte qui était là, mais ça m'apporte rien. C'est 60 heures pour un 100%, mais non, mais j'irai pas chercher toutes les cœurs, en tout cas, je pense pas. Je peux-tu passer sur le côté? Non, je peux pas. Peut-être que... J'ai pas tout fait. Il y avait une stèle qui disait... Allô? Il y avait une stèle qui disait... Main gauche. Ça, c'est la main gauche. Main droite. Le dos. Puis où il s'assit. Où il s'assit, c'est genre le... Mais non, mais ça, c'était pour résoudre le truc, le mécanisme. De tout à l'heure. Main droite. Bonne nuit, Joe. Faites beau rêve. Salut, Cyfree. Il va-tu faire une torpille? Là, je suis quasiment sur le bord de demander un conseil, là, parce que là... Je sais qu'il faudrait que je regarde. Je comprends fuck all. Ça me dit qu'il faut que j'aille là. Je suis regardé, j'étais allé là, c'était barré. Dans ce truc-là, peut-être j'ai fait une connerie. Ouais, c'est tourné, cette affaire. Attends, mais quand tu étais dans la toilette, t'as pas ouvert de quoi? Peut-être j'ai fait le con, j'ai pas été assez... On va aller voir là, parce que c'est vraiment louche. Va falloir retourner là, man. On y retourne! Faut ce qu'il faut! Ça se trouve, j'ai pas ouvert un mécanisme, je l'ai pas vu, j'ai été trop vite. Allez, ça sera pas long. Hop! C'est parti. Je suis dans la toilette, là. Ok, parfait. Mais non, mais... Ah, que c'est chiant, non. Ok, parfait.
On ouvre la porte. Oui, c'est un dépôt. Oui, c'est pour un dépôt. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il fallait juste prendre le chemin tout droit, je pense. That's it. C'est parti! Il y avait une cinématique avec un coffre, mais on l'a vu. Là, ça m'amène là. Je reconnais mon Nintendo, là. Faut que j'aille acheter un guide. Après moi, il y a quelque chose à faire ici, mais comment je fais pour le revirer? Je peux-tu le revirer? Attends une minute. C'est peut-être ça le problème. Dans l'eau. Non, mais un fouet dans l'eau, ça marche pas. T'es parti ben trop vite d'ici? De cet endroit-là? Qu'il y a clairement quelque chose là. Ah, mais je sais qu'il faudrait que je saute dessus, mais... Comment je vais faire ça? À quel point? Je comprends pas. Je comprends pas. Pour sortir le Nintendo Power, amener le Nintendo Power à quelqu'un. C'est quoi qu'on fait ici? Là, je peux pas grimper là. Là, je peux pas monter là. Il est aveugle. Donc, attendez, je suis aveugle apparemment. Je suis aveugle. Je vais regarder attentivement. C'est un moment cocasse. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Fais juste monter dessus. Merci. Ok, je suis aveugle. Il y a cette affaire-là. Faudrait que je le retourne avec mon fouet. Mais je me rends pas. Je suis tombé de là. Ici. Faudrait que je monte en haut pour sauter et le revirer à l'envers. Mais c'est sûrement pas encore là. Je vais là. Tu te rends pas? Mais non, mais je me rends pas. Comment ça, je me rends pas? Non, je me rends pas. La clôture bloc. Mais attendez, le full rad, tu l'as-tu déjà fait, cette affaire-là? Vas-tu péter? Mettons, ici, là. Non, mais arrête de saut! Le gars le plus salé, genre... Là, j'ai ouvert cette porte-là, ça me ramène là. Là, je me dis, il doit bien avoir une patente que je fais pas. Backseat. Je le prends, le backseat, là. Je comprends fuck all, genre. Je le prends, le backseat. Je l'embrasse. Je peux pas aller là. Faudrait que l'eau monte, man. Regardez, il y a une bouche, là. Faudrait que l'eau monte. Ça va être sûrement quand tu t'actives la switch qui est là. Fait qu'il faudrait que je prenne une porte qui m'amène là. Peut-être de quoi, là? Que tu peux sauter sur la plateforme? Pas du tout. Meurs. Oh, mais attends une minute. Est-ce qu'on peut relancer une bombe? Non, ce serait bien trop facile. Le fouet servirait à rien. Là, je monterai là. Là, je sauterai là-dessus. Peut-être. Ok, là.
Ah, oh, sauter en spin! Yo, j'ai jamais fait ça. Ok, attends une minute. Maudite bonne idée. Calasse que c'est mal fait. Ok, let's go. Contrôle. Regardez bien ça. Non, pas là. Non, c'est pas ça. Donc, ça serait là. Ah, mais je suis tellement épais. Je suis tellement épais. J'ai oublié que ça existait. Arrête! Ben voilà. Pour vrai, c'est impressionnant. J'avais oublié que ça existait. Pogger dans le chat, pour vrai. Pogger dans le chat, à peu près. Ça, c'est du beau travail, pour vrai. Cibolac. Faut être expert, là. Let's go. Oh! Bon, c'est pas grave. C'est le premier moment, je pense, dans le jeu où j'ai mongolisé. Ah, pourquoi j'ai pas mon rubis? Je veux mon rubis rouge. Mon argent. Je l'ai récupéré? Là. C'est parfait. Pas si pire. Man, j'avais oublié que ça existait. Ok. C'est reparti. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Quoi ça fait? Oh, une gelée. Ok. Là, mon but, c'est de faire quoi? Attends. J'ai pas été en haut encore, c'est ça? Ah bien là, youpi! Sur une bonne lancée. Pour vrai, là, je suis sur une bonne lancée. C'est le backseat qui était utile. On a passé tellement de temps là-dessus à faire comme moi. Ça, c'était utile. Merci beaucoup, chat. En fait, c'est-tu du backseat? Parce que finalement, je le demande. Ah, regarde. Oh non, mon dieu, Renevrosé est revenu. Ben non, je niaisais. Non, 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 mais je sais, c'est pas du backseat, là, mais comment t'appelles ça, genre? J'ai demandé conseil auprès du chat. Oh non. Je tombe où, là, si je... Oh! Rien. 20 rubis, man. 20 fucking rubis. Ok. Ça, si je vais là, ça sert à quoi? Rien? Si je tombe, ça? Exact. Parfait. J'aime le mood, là. J'aime le mood. Faut apprendre à droite. Est-ce que vous êtes reposé, le chat? Est-ce que la petite musique va bientôt vous endormir? Ah, what the fuck, c'est tellement technique! Oh!
Mais je fais comment avec lui? Non! Zelda ASMR. Ah, mais il va pas tomber là. Oh, c'est de la bronze. La musique est mieux que celle de Pokémon. Eh là là, ce sera pas facile de faire plaisir à tout le monde. Y'a du monde à qui ça a fait plaisir par exemple. Attends, mais moi faut que. Tirer. C'est quoi mon but? Je comprends pas là. Si tu me rends de l'autre bord avec un swing? Non mais c'est de faire tomber l'eau, pourquoi ça... Ah! C'est ben con, j'arrête pas de faire en bas depuis tout à l'heure pis ça marche pas. Peut-être une diagonale qui a été faite. Quoi? Pis là je descends. Je peux toujours pas aller là. Ça, je vais y aller avec quand l'eau va monter. C'est ça? Parce que oui. Je préfère bien mieux la musique de Mario Golf. Mais non, mais il faut être sur le crack pour aimer la musique de Mario Golf. C'est, c'est les cuivres tout le long. Là. C'est pas reposant, ça, à 23h. Non? Je dis ça de même. Vous avez le droit, là. T'as le droit à Raz. Même chose. C'est ça, Pokémon Unite puis Mario Golf, là. Mettons que. Oh! C'est comme surénervé, là. Mais quand. Là, si j'ouvre là, je suis dans. Ah! C'est pas la même zone! What? Yo, y'en a tellement. Ah, c'est des zombies. Ah ouais, en haut, en bas. Oh que c'est... Ah oh, que c'est mal fait. Les contrôles de jeu là, man. Mais crime, il va-tu le faire? Moi, je m'énerve. Ah, mais il target pas le bon. Hey, ça, c'est pas une animation reprise des momies, ça. Bon, mais tout dans la... Salut. Ok. Non. On va amener le crâne. Prendre pas plus un. Celle de Pokémon Unite me gosse plus que Mario Golf. Je dirais que... Je sais pas. Mettons, c'est pas des OST qui vont me... que je vais garder en mémoire quand je vais penser en 2021. Là, me dire, ah oui, il me semble que je me remettrais un petit Mario Golf Super Rush comme OST. Non. Je pense qu'elle trouve ça. Là, pourquoi je vais aller là? Il y a quoi là? Yeah.
Mon bouclier, man. Ils sont tous en feu. Dangereux, ça. Y'a de quoi ici? Je pense que si je fais un logo... Faire un logo de Ruby, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont donner. Ok, attention, est-ce que vous êtes prêts? Un losange. Allô? Incroyable. What the fuck, c'est des bombes? C'est pas une bombe, ça, c'est un losange. Donne-moi des... On se parle. Frappe la gemme qui se cache au creux des yeux. La bouche se fermera et le courant s'arrêtera. Frappe la gemme qui se cache au creux des yeux. C'est un visage. On va voir. Ça me donne une bombe bleue. Le talent. Losange trop rond. J'ai jamais compris, ils m'ont donné full de bombes, genre. Ouais. Peut-être des yeux quelque part. Ah! C'est des yeux, ça? On dirait qu'il y a un visage. Combat. Non. Dans le creux des yeux. Ah bon, moi, je peux pas me rendre ici. Je ne peux pas. Oh! Attends une minute. Je peux pas atterrir là-dessus. Je vois rien. C'est bon? Je pense que oui. Calique, je mène trop long. Ok, attendez. Non! Que c'est de la... Mais calasse! Parle une minute, faut pas que je sac. Ça se trouve, je peux quand même y aller, on s'en fout. On va peut-être juste glisser. J'ai 4 bombes, j'ai fait une folie, man. J'aurais à me reprendre mes bombes. Je pense que c'est trop loin. Ouais, moi aussi, mais... Bon, minute. J'ai fait le fou, là. Je pensais faire le malin en pétant... Allô, pourquoi il saute pas? Ah, je peux rien faire. Je vais me relaxer, là. Je vois Snipe, ça va bien? Oh, ça va pas pire. Anyway. Lis-moi. Ok, attends une minute. Il était même plus dans le chat. Qui a dit que c'était toi qui devais aller au creux des quenouilles? Mais c'est ça, genre, peut-être que c'est les bombes? Peut-être... Oh! C'est intelligent, ça. C'est intelligent, ça. Là, c'est maintenant que les donjons commencent à mélanger plusieurs trucs. Plusieurs systèmes, on dirait que je suis comme pas réveillé pour cette affaire. Allons-y.
Ben voilà. Ben voilà. Ça change pas grand chose. Hein. Ça fait du bien, par exemple, pour les oreilles de Mirali, mais. Minute, le mais ça. Ça ne marche pas, là. Mais je commence à faire des ouvertures de cartes Pokémon, ça serait fou. Des ouvertures de cartes Pokémon. Moi? J'en ai la David Lafarge Pokémon, man. C'est quoi le but, là, David? Oh, sacrement, j'ai catché! Mon cerveau fonctionne. Mais pourquoi il fait pas son saut? C'est juste ton saut, tant que ça à faire. Si le saut est automatique, tu me chies pas dans les mains. Oh my god, David Lafarge. Il est rendu sur Twitch en passant. Enfin! Oh! Je suis désolé, genre, je sais que dans le chat, vous finissez tous vos jeux. Genre, une fin de semaine. One CC, sans mourir. Ce skill. Merci. Je connais mon Zelda. Mon Zelda. Mais en fait, les cartes Pokémon. Hein, on se sacrifie, c'est quoi qui se passe encore? Là, c'est moi le problème? C'est-tu moi le problème? C'était-tu moi le problème? C'est le jeu qui est de la. D'aller là. Hein? J'ai pris le bon chemin. Mais... Let's go! Oxy! Ça fait trois coups que je donne, là. Parfait. Là, je me pitch. Là, tout va bien. Right? Wow! Ok, c'est parfait. Tout va bien. Mais allô? Oh my god. Je mets 203. Parce que c'est de la... C'est ça, bye bye. Toujours toi le problème, je le sais. Une chance les viewers sont là pour me le dire. Toujours le bon commentaire. Too much kill for me, écoute. Pas pour tout le monde, ça a l'air. Le gars, il faut pas salir. Ça, je m'en veux, là. J'ai été là, mais ça me donne quoi? Hein? Quoi le but d'être là? Ah, oh, puis je veux qu'il retourne dans l'autre sens. Ok! Ok! I got it! J'ai compris! Ah, le fou, j'aurais dû me donner plus de... Parfait, ça. Parfait, ça. Je l'ai même pas lu dans le chat, hein. Oh! Mon bouclier, c'est tellement dangereux!
Ça sent pas bon. Ça, ça sent la grosse araignée, ça. J'y vais. Pourquoi je fais ça? Attends une minute, pourquoi je vais là? Mais non, mais lâche! Non! Ça se trouve, j'étais à côté d'une affaire que je devais faire. Ça, c'est juste la raccourci? Vite, au secours! Mais non, mais attends une minute, j'avais pas fait ça. Ah, c'était juste un raccourci pour débloquer le truc. C'est pas grave, regardez bien. Allô? Tout va bien. Tout va bien. Ça ressemble trop à Dark Souls. Trop? Les Zelda, c'est un vrai casse-tête. Bah, c'est pas si pire. Moi, je trouve que c'est bien balancé. Ma nouvelle expression, c'est bien balancé. C'est pas le coffre? Pourquoi il est pas là, le coffre? Rend à la statue sa forme première et descend le fil vers le fond de la terre. Rend à la statue sa forme première et descend. La clé que tu ouvres. Parfait, ça veut dire que là... pour sauvegarder. C'est blanc longtemps. Les zombies dans mes jeux, je les tue avec des guns, c'est moins compliqué. Il y a pas assez d'univers où il y a des zombies au Moyen-Âge. Imagines-tu quelqu'un qui ferait un film d'horreur, mais médiéval avec des zombies? Il y aurait pas de shotgun, là, putain. Là, je fais comment? Suspend. Chou? Ah, je suis là. Oh, c'est là! La clé! La clé! Netflix? Penses-tu que Netflix ferait ça? Youpi! Alors, vous avez obtenu la statuette sereine. Cette sculpture en bois inspire la plénitude. Elle ressemble à la statue de pierre de l'étage supérieur. Oh, tabarnam! Oh, tabarnam! Ok, salut les gars! C'est comme Indiana Jones. Mais alors, c'est n'importe quoi. Chance n'était pas en dessous. Je comprends pas trop le truc. Peut-être que genre y a du monde qui farm les zombies pour avoir des matériaux. Pensez-vous? Comme les scorpions d'hier. Examiner. Alors on tourne. On tourne. Allô? Ça tourne tout croche, c'est pas ça que je veux faire. Comme ça. Allô? C'était juste ça le temps? Je peux pas croire. C'est quand même assez long, là, mais... On a failli bugger à un certain moment. Non, 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 ça... Ça se peut pas.
J'ai hâte d'entendre la lire. Les yeux! Va-tu ouvrir ses yeux? Non. Là, c'est quel boss? C'est peut-être le boss avec les... Ah, regardons ça! Avec les 6 bras ou les 4 bras, je m'en rappelle plus combien il y en a. Qu'est-ce qu'on regarde? Ok. Là, des cœurs. Tout le temps un moment pour sauvegarder. Shiva. Ouais, mais je me rappelle plus, il y a comme un... Ok, je vais pas spoiler, là, mais il y a un genre de robot doré. Là. Mettons. Il est très bon. Dans mes souvenirs, il était bon, ce boss-là. Je sais pas si c'est celui-là. Oui! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quelle obstination! J'ai besoin de temps pour trouver le moyen de rappeler mon maître à la vie. Pourquoi faut-il toujours que tu... que des troubles faits comme toi viennent se mettre dans mes pattes? Je sens ma pression monter. Ça prend un bon 3 ans. Non, il était vraiment bien, ce boss-là. C'est, je pense que c'est un de mes préférés. Tu utilises le fouet, tu prends un bras, une affaire de main. Installez-vous. En gros, c'est un peu comme les squelettes. Faut frapper dans le bon sens pis tout. Ah, fuck, avec la manette. Alerte Joy-Con. Gardien aux 1000 bras. Coloctos. Allô? Faut pas y... Ah non, c'est vrai. Non, c'est pas ça que je veux faire. Allô? Pourquoi il est... C'est moi qui lance mal. Ah, c'est ça, c'est moi qui lance mal le fouet. Je fasse en haut, en bas. Sacrement, ça va pas bien. Mais non, mais c'est pas ça, je veux le fouet. Oh my god, la caméra. Ok, c'est bon. Ça me revient, là. Shit! Mais non, mais... Oh, que c'est con! Sors le fouet! Il y a peut-être de quoi je fais pas le correct. Le truc que ça attaque, je peux-tu le poigner? Je m'en rappelle plus. Là, il va sortir. On est en phase 2, je pense. Allô? Fais juste le... Oh my god. C'est juste dégueulasse les contrôles. Fais juste attaquer. Parce que je l'ai rangé. Je l'ai rangé. Ah, que c'est mal fait. Attendez une minute. Je m'en viens là. On vise.
On sort le fouet, on tire. Merci beaucoup. Hein? Ça l'a pas enlevé? Ok. Let's go, on est parti, là. J'ai le beat. Ok, c'est bon. Je sors mon épée. Je me tasse. Une façon de faire plus vite. Là, mais... Oh! Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est juste... Oui, c'est ça. Je pogné dans les bras, go! Si je pognais les bras! Non! Ok, phase 2. Pas bien, là. Ouais, pour vrai, les contrôles de jeu-là sont vraiment la faiblesse. Mais regardez, quand même, il y a des bonnes idées. Moi, je le trouve cool aussi. Je pense que c'est un de mes boss qui était préféré. J'en sais... Je l'ai... Ah! Là, ça va être tough. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah! C'est ça. Ah oui! Phase 3, c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment une bonne idée, là. Faut qu'il tape un bloc. Non? Allô? Vas-tu attaquer? Oh my god. Il y a une crotte sur l'épée. Excusez la blague, elle était trop facile. Fais juste la prendre. Non! C'est quoi qui se passe? Au secours. Je suis coincé dans lui, là. Oh! Mais non, mais n'importe quoi, il va bien trop vite. Let's go. Ah, c'est pas possible, esti, il est comme trop loin.
Ça va bien. On compte sur toi, ça va bien, là. Juste qu'il y a des petits problèmes de caméra, des fois, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pull trigger, là. Viens-t'en. Attaque, attaque. Bon, attaque. Oh, que c'est... C'est pas évident. On y arrive-tu? Tiens-toi! Yes! On voit pas la caméra, le monde pas! T'as vraiment bien pensé, ce boss. J'aime beaucoup. En vrai, je pense que c'est mon boss préféré du jeu. Ça a un peu vieilli, là, mais c'était pas pire. Voilà, merci beaucoup, le chat. Un autre cœur. GG, merci beaucoup. Avec celui de feu, c'est mon préféré. Le boss de feu de quoi, le premier? C'est quoi qu'on a entendu là? Ça doit être le cœur. Genre les trois premiers temps? Genre avec la chenille avec le bowling? Le bowling était pas peu aussi. C'est le bon sauce, bad sauce. Mon préféré va toujours rester Jiraim. Ah! Avec les contrôles. Dans le deuxième temps, ok, ouais, l'araignée avec le bowling. Ouais, l'araignée avec le bowling aussi m'avait marqué. Y en a-tu un autre marquant après? Je me rappelle plus des autres boss après. Moi, c'est les deux que j'avais retenus. Jiraim. Ok. Le gros spermato noir. C'est quoi déjà le banni? Le boss de fin, évidemment. Préparez vos yeux, vous aimez pas le blanc. Qu'est-ce que c'est ça? Agréablement surpris du premier coup. Ouais, mais. Techniquement, c'est la deuxième fois que je le fais. Maître, votre épée. Toi, je pense que la poignée va changer, ça se peut. Non, c'est la lame qui change en premier. Ah, c'est ça. En recevant la flamme de Faror, la lame de votre épée s'est allongée. Et son tranchant s'est amélioré. C'est un des rares boss qui est récurrent et charismatique. Jiraim? Jiraim? Je sais pas comment le dire. Jiraim? Ouais, il est... Il est pas peu, là, le personnage. Oh! Est-ce qu'il y a une triforce sur la main? Oui! Votre épée a évolué grâce à la flamme sacrée, maître. Maître, vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant. Je vous recommande de vous rendre dans le ciel à l'Elochant. L'Elochant. On quitte demain. Oh! Es-tu là? Le dragon d'eau. Ton épée a évolué, on dirait. Malgré ton apparence de bambin, tu serais donc l'élu de la déesse. Cependant, tu n'as pas encore atteint la grandeur d'âme que ton épée exige. Prépare-toi à t'entraîner davantage. Prépare-toi
à entraîner davantage ton... Oh my god, je bug mentalement. Davantage ton esprit. Wow. Au revoir. Premier faux pas de la soirée. J'ai bugué pendant le... Pet de cerveau. Pour vrai, ça fait... j'ai un pet de cerveau. Je suis voyons. Je suis plus capable de reconnaître le mot. On dirait que je bégaye. Y a-t-il quelque chose à faire ici? Non. Retourner vers le ciel. Perso, je prononce Giraim. Mais c'est ça l'affaire. Giraim? Giraim? La musique d'évolution de Pokémon. Votre épée a évolué à une épée plus grande. Mon épée a grandi. Ok. On n'a pas tapé un bloc. Non, je pense pas. On pourrait peut-être aller au village? Non, on va aller direct au... l'île au champ. Giraim, présent. C'était quoi déjà? Chez Alex, là? Miles Morales? S'il y en a encore un maudit qui dit ça... Morales? Morales? La petite vidéo de Max de Névralgique. Mr. Parker. Non, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai jamais arrivé d'arriver dans une tourne. Oh non! Ouh, ce serait vraiment utile. La petite voix. Morales! Morales! Je sais pas s'il y en a qui avaient vu ça dans le temps quand Max de Névralgique avait fait ça. Là. Miles Morales? Mal Morales et Mr. Parker? Mr. Parker? What? Bon, y a-tu quelque chose là? Non. Allô? Pourquoi mon X marche pas? Maudite libellule. Un bon lait. Hey, ce bout là, man. Ce bout là, on dirait Star Wars. Pour vrai, là. On dirait la fin d'un film de Star Wars. Bon stream, j'y vais. Bonne nuit, Alex Rookie. Faites beau rêve. Merci beaucoup d'être passé. Avec la musique en plus. Parfait. Parfait. Deuxième chance. Link dans le trou. Dans la cave. Au donjon. Ah, ça fait weird, l'épée est différente. Genre, tu sais, comme le... Comment t'appelles ça, le truc que tu mets ton épée, j'ai un blanc. Fourreau. Maître Link. Veuillez prendre un fourreau, ok merci. Veuillez prendre connaissance des informations, de ces informations pertinentes. Les mots de la déesse se sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, maître. Et c'est reparti. Toi qui poursuis ta quête des trois flammes sacrées, je vais du fond des temps à nouveau te guider. Brûle deux flammes sacrées. De nouvelles reliques. Il te faudra gagner. Pour que te soit remis ces talismans sacrés. Et je sais pas ce qui se passe. D'exigeantes épreuves, tu devras surmonter. Je sais, j'ai de la misère. Le pouvoir des reliques. Le chemin t'ouvrira. Et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Or, écoute ce chant dont les accents révèlent l'épreuve que renferme le désert de l'anel. Ça, c'est une grosse cinématique sur la Wii, ça. Hein, on rappelle, il n'y avait pas beaucoup de cinématiques sur Wii.
Quand même beau. J'ai pas fait un réchauffement de langue, à vous, hein? Mais. C'est comment qu'on réchauffe sa langue, déjà? C'est le monde de la neige? Je sais pas, on dirait. La sagesse de Nairu? 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 Ok, c'est beau. Tel est le nom de ce champ de connaissances qui vous guidera, maître. Vous avez appris la sagesse de Nairu. On dirait effectivement qu'il va y avoir de la neige. J'ai mémorisé la sagesse de Nairu. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers le désert de l'anel. Attends, mais là, ça va être de la neige? Pourquoi je devrais mettre comme bouclier? Celui du bois? Dans Breath of the Wild, oui, c'est une zone enneigée. Mais oui, ça fait du sens. La sagesse de Nancy. Quand même un petit téléport là, pour tourner à Salisbourg. Là. Nancy. J'ai pas tapé sur un bloc. Attends, pourquoi le... Attends. Faudrait-tu que j'y retourne? Oh non, oh non, oh non, je vais me faire attaquer. Let's go. On a fait-tu lancer des affaires, on dirait. Oh tabarnan, come on. Et je rentre dans le JPEG. J'ai envie d'aller voir le lézard de Bonaventure. Les jeunes, ils sautent. Mais... Oh non! Faisons en amont. Parfait, ça. C'est excellent. Yo, lui. Parfait. 800. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais acheter. Oh, la corde. Allô? Le dude avec les gros yeux, ça. Oui, oui, celui avec la boule de cristal. Peut-être qu'il va me dire, ah ouais, c'est une zone enneigée. Je sais pas, c'est quoi je faisais avec la zone enneigée? Ça, c'est 1200 de mémoire. Ça, c'est pas si cher. Ah, mais de toute manière, j'ai plus de potions. Je peux pas me permettre d'acheter des médailles. Mais da. C'est combien? 800. Ça, c'est pour savoir si on voit les corps de cœur sur la map. J'ai pas assez de cash. Ils vont me faire tomber. Le fait de pédaler pour rien, man. Ah! De la potion. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs dans ce shop-là? Je devrais peut-être prendre le bouclier qui se répare tout seul. Oh! Regardons ça. Salut. On a une nouvelle potion. Jetez-y donc un coup d'œil. C'est de la potion d'oxygène. Quand tu bois cette potion extraordinaire, ta jauge d'oxygène baisse moins vite. On la vend à un prix très abordable. Tu devrais en acheter un flacon.
Comme d'habitude, place-toi devant la marmite et parle-moi. Non. Alors, je pense que je vais prendre la potion rouge. Oui. C'est quand même drôle, j'ai pas plus de flacons. C'est quoi cette affaire-là? Médaille trésor. Faudrait peut-être que je regarde ça sert à quoi. Médaille cœur. Son lait, ouais! Y'en a pas un esti qui est beau! Je le sais pas! Mais j'avoue que c'est fascinant! Oh! Un virevoltant! Faudrait vraiment que je pongue ça! Oh! Là, je peux l'upgrader! C'est bon, ça! Let's go! Tu sais, les modifications sont définitives. Ben oui, mais là, c'est un meilleur ou c'est pas un meilleur? De travail de laideur. Pour de la Wii, c'était incroyable. Le jeu était pixelisé et tout. C'est une télé cathodique. C'est un jeu SD. Votre lance-pierre a été amélioré en lance-pierre rafale. Vous pouvez attaquer une large zone une seule fois. Maintenant... Fait que finalement, j'en lance 3. C'est ça de mémoire? Allô? Larve de guêpe. C'est juste plus rapide. Peut-être réparer mon bouclier. Je pense que je vais faire. Réparer le bouclier, ça coûte combien? Ah, du rubis, let's go. Ça coûte rien. Ça coûte tellement rien. C'est useless, les potions d'endurance. Bon, ça, je me dis, je trouve la potion aussi pour le bouclier quand... le bouclier qui se répare tout ça. Et lui d'invincibilité, je sais pas. Attends une minute. Pour le bouclier, quand t'as le bouclier... Ben c'est ça, je l'ai le bouclier qui se répare tout seul. Ça vaut-tu la peine tant que ça? Hein, regardons ça, il y a un coffre là. C'est ça qu'il dit là, Maître Link. Le coffre que vous voyez là, c'est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir. Une fois que l'énergie d'un cube de déesse... Mais n'importe quoi, genre c'est... On est-tu au début du jeu? Devrais-tu prendre le bouclier qui se répand? Il doit être moins bon. Pourquoi d'abord il y aurait autant de boucliers? C'est quand même con. Amélioration. Tu l'améliorer? Plume d'oiseau. Attends, ouais, c'est où ça? Résiste au feu puis à la foudre puis il serait pas tout seul. Mais d'abord, à quoi ça sert d'avoir mis autant de boucliers? Oh! Écoute, donc je vais prendre celle-là. Attrape les oiseaux avec ton filet. Aucune idée. Attends une minute, mais... What? Les oiseaux avec mon filet. Où sont les oiseaux? Attends, mais les oiseaux, il y en a au début. Au début du jeu. Je pourrais peut-être aller faire un petit... À la place du saut, il y en a? Je veux me pitcher. Salut, Aya. Rebonsoir. Je veux me pitcher. Je veux me lancer. À la place du saut. C'est là-bas, ça? Pas le temps, la batterie faible, là, stop! Pitch-toi! J'aurais dû me pitcher. Rip la manette. Inquiétez-vous pas, je suis un pro. On se parle qu'il faut aller.
On va enquêter sur les oiseaux. Il me faudrait des virevoltants parce que mon filet, faudrait que je l'agrandisse. J'arrive, les oiseaux. Range ta manette. Ça vous trigger? Putain, mais la place du saut, c'est pas là. La place du saut, c'est genre le... Non, mais c'est au début, là, dans la zone verte. Ok, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Ok, là, il me faut un truc pour me pitcher. Sinon, je vais me faire encore escorter. Parfait. Ah non, c'est en bas. C'est ça, je m'en rappelais plus. Excusez-moi, la place du saut, j'étais sûr que c'était la grosse statue. Let's go. Les plumes sont à moi. À moi, les plumes. Ah, il est déjà bientôt minuit. Man, le temple, il était long. C'est genre legit au-dessus d'une heure. Je pense que c'est le plus long temple. Le temple qu'on a fait. Mon argent! Mon argent! Faut que j'attrape un oiseau bleu. Ça s'est ouvert seul. Je suis assez déçu. Ok. Il y a des oiseaux ici, là. Il n'y avait pas ça, là. Pourquoi cette affaire-là? Il n'y avait pas ça avant? Mimi dit que le gros monstre là en bas pourrait se réveiller à nouveau. On va pas se laisser faire. Tu vas voir, je lui réserve une petite surprise à la saveur ergo. Je suis en train de construire une arme secrète. Elle est pas tout à fait prête, mais tu vas voir, ça va être génial. Attends une minute, mais ça a l'air d'être... Ça a l'air nice cette affaire-là. Excusez-moi, j'étais comme what the fuck, ça ressemble pas à ça la zone. Oh, un oiseau bleu! Rouge! Attends, il fallait-tu qu'il y ait une couleur, les oiseaux? N'importe quoi, il me voit 10 000 larrons. C'est une potion de discrétion? Bonne technique. Mais non, mais il y en a qui étaient genre à 10 mètres, ils ont eu peur. La discrétion. Et puis ici, est-ce qu'il y avait un... Des oiseaux? Pas du tout. Il me semble qu'il y avait des oiseaux là. Est-ce que tu... Ok. Rouge-orange, c'est une plume normale. Mais bleu, c'est une plume spéciale. Non, mais attends une minute, lui aussi, il veut me reparler. Tiens, tiens, te revoilà. Je vais te dire que j'avais aperçu des papillons azur pas loin d'ici. Dommage que je m'y connais rien en musique. Seulement, je savais jouer d'un instrument. Il y a des fois qu'on l'a pas fait. Le Dan, ça va bien? Les oiseaux! C'est correct, ça? Je suis toujours pas allé arranger mes lunettes. T'es sérieux? Cette marque sur le mur,
Nous sommes devant l'un des murs de la déesse, dédié à eux, aux héros. J'en suis certain. Mais là, c'est le truc que j'aurais dû faire la dernière fois. Ok, mais je vais prendre un rubis. C'est toute beauté. Ça, c'est un rubis, hein, right? Si c'est pas des bombes, j'ai pas fait un cercle. Si je veux des noix, je fais comment? Il faut attendre un peu avant que les murs de la déesse se régénèrent. Quand ça sera fait, je compte sur toi pour m'aider dans mes recherches. Ok. Oh, c'est pas revenu. Attends une minute. Je m'en vais là. Un rubis, c'est 6 côtés, Nev. Sti, t'as raison? Attendez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un saut, man. Prochaine fois. Voyons, qu'est-ce qui se passe encore? Il veut me parler? Oui, je sais que ça se régénère les choses. Mais non, mais... Comment ça se fait qu'ils sont plus là, les... Une plume d'oiseau. Une. C'est bien ça. Une. Animal Crossing, à vous. Attendez, mais on va farmer l'oiseau, là, vous avez jamais vu ça. Attends, des oiseaux bleus, il y en a où? Ah, mais dans le fond, c'est pas petit mon affaire, je devrais juste comme sortir, genre... Quoi, en même temps, j'ai plus de graines pour mon arc. Pour mon arc, qu'est-ce que je fais pour mon slingshot? T'en avais combien? J'en ai une. Ça, ouais, ça demandait combien pour le bouclier? Y'en a-tu eu ça? Deux, trois? Ok, parfait. Dans le doute, j'en prends trois. Vous voyez, c'est le petit. C'est pas le petit, man. Ouais, je sais, ils sont plus proches, mais j'ai plus de graines pour mon slingshot. Fait que je vais essayer celui-là. On va essayer l'autre place. Non, mais qu'est-ce qu'il faut? Là, j'ai 10. Parfait, ça. Regardez bien ça. Oiseau bleu! Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Je avance. C'est ça là qu'il me faut. Oh, il est plus là! Les petits oiseaux bleus sont plus là, c'est random! Mais fuck off!
Désolé, je veux pas m'énerver. J'ai bougé trop vite, là. Fait que là, c'est random. Des fois, il y a des oiseaux bleus, des fois, il y en a pas. C'était Hank. De moi, Nintendo devrait tout remaster les Zelda sur ça. Je suis complètement d'accord. Je trouve que ça enlève rien, parce que généralement, c'est des petites équipes qui font ça. Les remasters. Complètement d'accord. Il y a un autre spot? Ok, parfait. J'en ai un. Mais fuck off! Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Juste à côté, il y a un autre spot. La droite. À droite. J'entends gazouiller. Ça gazouille où, hein? Par là? Ah! Ah, ils sont revenus! Est-ce qu'on voit rien avec le filet? C'est parfait, ça. Je farm de l'oiseau, là. J'en ai combien? J'en ai sûrement plus que 3. J'en ai 4. Ça devrait être bon. 5 minutes, là. Moi, je retourne chez nous. Je peux pas remonter en haut? J'ai fait son truc là, sa barricade. Enfin, je pense que ça va plus vite. Je sais pas. Oh, ils sont revenus là, mais tabac! Ça arrête pas. J'ai donné un coup de stick, c'est pas ça que je voulais faire. Je trouve que beaucoup de monde voudrait les remakes des deux Zelda DS. Ah ouais? Ça m'a tellement pas marqué les Zelda DS. Je pense que ça mérite pas un remake. Je pense que ça mérite un portage. Comme sur la Wii U, il l'avait fait le portage. Oh, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est bon ça. Bon, ok. Je n'ai 5. Bien content. Portage remake, selon moi, c'est la même chose. Je me suis mal exprimé. Non, je comprends. Je comprends, là, mais c'est ça. Mais tu sais, remake, c'est vraiment. Y a-tu des remakes de Zelda? Ça existe-tu? Eh oui, je suis complètement con. Les ceux sur Game Boy, là, c'est d'excellents remakes. Là, pour vrai, genre. Je trouve que celui qui devrait être refait, c'est Minish Cap. Peut-être que c'est dans les plans. Parce que je sais pas si vous avez entendu parler des rumeurs, les deux Zelda de la Game Boy Color, Oracle of Age, puis Oracle of Season. Ça va être refait. Donc. Le studio qui fait ça, là. Grezzo, là. Je pense que c'est celui qui avait fait les. Qui a justement fait Link Awakening. Mais justement, genre, je pense qu'il pourrait. C'est quoi cette affaire là? On pourrait sûrement faire Minish Cap par la suite. Exact. Retournons dans le ciel. Quoi que rendu là, vu que je suis déjà dans le ciel, je pourrais peut-être aller chercher des virevolants. Virevoltants, c'est quoi j'ai le nom, je m'en rappelle plus. Puis upgrader mon filet. Les deux de la Game Boy. Les deux au Game Boy étaient merveilleux. En fait, il y en a 3 Game Boy. Un Game Boy ordinaire. Ah oui, c'est vrai ma manette. Ah, c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure je rush. C'est peut-être pour ça que je rush. Ma manette est faible. Hey, il manque un matériau. Quoi cette affaire-là? Il manque un matériau en haut à la gauche.
2023 minimum. Non, les rumeurs diraient 2022. C'est tout ça? Attends, mais là, c'était quoi la rumeur? Je m'en rappelle plus. Non, c'est 2022. En fait, ce que les rumeurs prédisent, c'est que 2022, il y a des chances qu'on ait un autre Zelda. D'ici la fin de l'année, mais Nintendo l'a pas annoncé. C'est ça? Une affaire la même. C'est quoi qui est quoi, là? C'est l'anel, c'est là qu'il faut que j'aille. EMB, non, j'écoute pas EMB, je regarde plus Julien Chiez. Mais sinon, toutes les autres sites, les autres chaînes YouTube américaines, ils en parlent aussi. Je pense à Spawnwave, je pense à, je sais pas, n'importe qui en parle. Upgrade avant, non, c'est qu'en gros, je vais là, je vais faire deux upgrades, je vais upgrader mon filet. Regardez bien ça. Tant qu'à upgrader, on va upgrader deux fois. C'est ça exactement, Twilight Princess puis Wind Waker, apparemment c'est déjà prêt puis Nintendo ils attendent. L'entrée du désert, c'était-tu là? Attends une minute. Ça c'est l'entrepôt. C'est là qu'il faut aller. Il y en a deux qui roulent dans ce coin-là. Salut Philo en passant. Ah! Vous avez vu le truc là-bas, ça brille? Ah! Allez! Je cours pas! Je suis pas bien dans ma tête. Oh non, j'ai commencé l'épreuve! Attends une minute. Je vais pas commencer l'épreuve là. Je pense que je vais faire ce prochain stream. C'est parti. Quoi que c'est une épreuve avec les petites boules? On va faire ça là. Les petites boules, hein? Les boules chinoises. Moi, c'est quatre. Ok, pas s'énerver. Faut que j'aille là. Je vais rentrer dans le truc qui est là. Je vais ressortir. C'est genre parce que si Nintendo report Breath of the Wild 2 pour 2023, ils ont un jeu sous le coude. Qui est le portage de Wind Waker HD et Twilight Princess HD pour 2022, car ils ont dit qu'ils allaient y avoir un Zelda à chaque année, exactement. T'as fait raison. Ah! Ah! Vous avez vu le talent? Vous avez vu le skill? C'est incroyable. Il y en a deux ici, là, mais... J'en ai quatre. Je pense qu'il m'en faut plus. Bonne nuit, Gam. Pas de beaux rêves. Merci beaucoup d'être passé. Je pense que le bouclier en demande, plus le filet. On a fait la même. Ben, je suis pas sûr que c'est si facile que ça faire le portage de Twilight Princess pis Zelda Wind Waker. Ok, tu sais, les jeux sont upgradés en HD.
Il y a quand même plein d'affaires qui étaient en fonction. Ah! Colin! Ça, c'est. Ça fait du bien. Il est où l'autre? C'est supposé en avoir deux. Il y a quand même des choses qu'il faut qu'ils changent. Comme la Wii U pis la Switch, je pense pas que c'est du tout la même architecture. Parfait. Bon, je vais là. Pourquoi j'ai retourné dans le temple, il y avait une porte à côté. En vrai, en ce moment, j'ai l'impression que Nintendo teste les limites des consommateurs. Non, je pense que... Ça donne envie de tout casser, man. Ça donne envie de tout casser, cette affaire-là. J'aurais dû courir. Ok. Oh! Good. Je pense qu'ils font pas plus pire que les autres compagnies. Ils sont dans une position qui les avantage aussi. Là. Ok, là, faudrait peut-être que j'aille deux, puis après, je m'en vais. Oh, come on! Come on, genre... Oh! Il y en a-tu plus que deux? Peut-être qu'il y en a trois depuis le début. On dirait pas. J'en ai combien? 7. On dirait que ça m'emmerde. J'en dirais 8, je serais confortable. Au moins qu'ils rajoutent quelques trucs bonus dans les jeux. Genre, je sais pas, un petit mode bonus ou etc. Sinon, c'est crissement facile. Ouais, c'est sûr. Mais... Je sais pas, on dirait que moi, j'aime ça quand les jeux Nintendo, ils restent pareils. Genre, mettons le remake, il y a pas de... paye pas un petit... Tu sais, mettons le Capcom, il mettons... Il ressortirait le jeu, c'est ah, un petit bonus 10$ pour un costume de Jill Valentine en bikini. Là. Lol. Comme bon. Pourquoi il n'y a plus de virevoltant? Il n'y a plus? Fuck this. Ciao, bye! Même avec toi. Ben c'est ça, genre... Tu sais, qui mettent pas trop de temps là-dessus, c'est des petites équipes qui font ça, genre, c'est pas l'équipe principale de Zelda. Tu sais, comme, ils ont fait le jeu v'là 20 ans. Puis là, il y a une autre équipe, genre junior, qui s'occupe de faire le portage. Peut-être de travailler sur quelques petites affaires, que, mettons, de... Comment on pourrait appeler ça, genre des... Tu sais, quand ils rendent un jeu plus agréable, il y a un terme pour ça, là. Condition utilisateur. Il y a une affaire, non? C'est comme par exemple, Wind Waker, ils ont fait une amélioration. Ils avaient la voile qui était rouge. Quality of life, c'est ça. T'as chaud? Hey! Amélioration. Parfait, ça. 100! Dans Twilight Princess, ils ont-tu fait de quoi? Je sais pas. Ça de me rappeler. C'est prêt? Wow! Troisième amélioration. Une corne de monstre, il m'en faut juste une. Si j'y vais, je vais voir la version ultime, on est tellement à ça. Yes. Okay. Un amiibo. Ouais, le loup. C'est quoi qu'il fait, le loup? Je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il fait.
Il n'y a pas moyen de lui dire qu'il est, il est lettre. Tellement envie de dire qu'il est lettre. Il y a un masque d'en face, on peut pas savoir s'il est lettre. Moi, j'ai l'impression que Scour Sword, sa matrice, car ils l'ont. Ils ont pas fait d'effort, mais à part le fait des joysticks, encore, ça marche pas super bien. On dirait un pansement. Et c'est le jeu. Il y a pas de... Moi, honnêtement, ça m'impressionne. Ça m'impressionne que Nintendo sorte des jeux de la Wii. Puis qu'enfin, ils ont comme arrangé de quoi, genre, pour que les gens qui veulent jouer à la manette, on puisse y jouer. Je suis d'accord, les contrôles sont pas parfaits. La larve de guêpe. Est-ce que vous savez c'est où, ça? Deux fois. Ça va être un nid de guêpe? Comme ça n'a pas été long, on a eu la version cheap. Genre à peine 30 minutes. Pour vrai, je vois pas qu'est-ce que Nintendo peut faire de plus pour Skyward Sword. À part le refaire au complet. L'identité du jeu, c'est de... C'est d'utiliser les motion controls. La Wiimote. C'est comme les Zelda sur Nintendo DS. Si t'as pas le stylet, genre t'as pas l'identité même du jeu. La raison même pourquoi il était fait. Vous êtes là, on va faire l'épreuve. L'épreuve avec les boules chinoises. C'est parti. J'aurais dû me prendre une autre potion, j'ai oublié. Fuck. C'est où déjà? C'est là, oui. Quand je joue full manette, j'ai l'impression que Link mongolise et parfois refuse de taper. Ouais, moi aussi. Je pense que tout le monde dans le chat peut en témoigner. C'est pas les contrôles idéaux, mais entre ça ou un émulateur. C'est vraiment à se poser la question, qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire, genre. Ils donnent les contrôles d'origine avec les Joy-Con, puis ils donnent la possibilité aux gens qui veulent jouer avec une manette de jouer avec la manette. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. C'est là, hein. Utilise ton doigt, sinon Nintendo fait quoi? Font un stylet comme ils ont fait pour Mario Maker 2. Oh! Un crâne! Ça change-tu quand je... Pas en tout. Non! On s'en fout. Le Early Access, ça va bien? On fait ça, puis après on va aller se coucher. Mais pas se coucher, on va aller écouter des vidéos, excusez-moi. Oh my god. Ça sent pas bon. Oui, toi, numéro 1. Je sais pas si tu vas te spoiler, là. Si tu regardes, là, mais... C'est pas le meilleur moment du jeu. Dead Door est de la bombe, by the way. Pourrais écouter des vidéos? Ouais, après, normalement, j'écoute des vidéos vers minuit, mais là, on a dépassé minuit. Maître Link. Oh! Incroyable! Adrodem, merci beaucoup pour le raid! Bienvenue tout le monde, bienvenue! Salut tout le monde, merci beaucoup pour le raid. Qu'est-ce que tu faisais, Adro? Just chatting, non, il a fait d'autres choses avant. Il a joué à Pokémon Unite, je suis sûr. Du Pokémon Unite, je suis persuadé. Nope! Il a pas fait ça. Juste chatting. Tu es un gamer, Will? Je te fais confiance, même t'es expert dans un jeu vidéo maintenant. Yep, je reviens de là aussi. Ok. Alors là, vous êtes au meilleur moment de Zelda Skyward Sword. Bientôt en vente les boules chinoises. Attends, mais là, il fait. Je l'ai fait. Je vais les remercier. Je suis rendu un streamer de Just Chatting. Damn. Wow. On sort du cercle, il est énervé là. Tu sais, faut que j'aille.
Oh! Incroyable! Joueur sans fromage! Merci beaucoup pour le raid! Très apprécié! Merci, merci, mais bienvenue tout le monde! Ça n'a pas de bon sens! Bienvenue deux raids un après l'autre! Merci! Joueur sans fromage qui est... Je suis passé sur son stream cet après-midi. Il a testé le nouveau Final Fantasy refait en pixel. Vous savez, genre, ils ont annoncé ça, le Square. C'est assez spécial. Bonne nuit, Mirelli. Fait de beaux rêves. Merci beaucoup d'être passé. C'est que je veux, là. Tellement d'endroits. Ah! Yo, what the fuck? T'as mal à l'œil. C'est ça, de quoi que c'est ça? J'ai-tu dit quelque chose? Ouais, il fait mal sa job. Le fait qu'il a fait. Il a fait un shout-out de Mirelli. Voilà. C'est quoi qui se passe? Y'a-tu mes modérateurs qui prennent de la drogue? Vous prenez de la drogue, arrêtez. Oui? Le payer combien? Mais c'est légal, Nev. Ça dépend desquels. Quand ils ont dit qu'ils légalisaient la drogue, c'était pas toutes les drogues. Bonne nuit, Alexis. Pas de beau rêve. Si vous voulez te passer. Ça va bien jusqu'à maintenant. Ça va bien. Celle-là. Lâche-moi! Cette respiration là. Mais non, mais fuck off! Fuck off, faut que j'aille où là? Sans mal finir, j'ai un feeling sans mal finir. Faut que j'aille! Oh my god. What the fuck, il vole dans les airs l'autre! Oh shit! Je sais pas où aller. Il est surélevé! Pas lui! C'est tellement de la boue ce jeu-là. C'est de la grosse merde! Pas de panique. Pas de panique. C'est vraiment le pire moment du jeu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans Zelda. Il est fâché? Moi je suis fâché. Elle est fâchée. Pas du tout. Man.
qui a envie de faire de l'infiltration dans Zelda. Avec un Link trespé dans les oreilles. C'est comme... Ok. L'infiltration ASMR. Avouez que c'est pas le fun cette affaire. Je sais pas, y'a-tu quelqu'un qui a eu du fun à faire cette séquence? Genre, je suis vraiment curieux. Exactement, allez follower Mirelli. Elle a eu son chaleur. Ok. Là, je vais pas prendre celui-là tout de suite. Il y en a un là-bas. Ok. Alors le dernier, c'est tout le temps fait exprès pour qu'on se fasse quasiment pogner. Papa m'a dit de le follow, j'étais quoi? Le joueur sans fromage, j'ai écrit dans le chat? Moi que j'ai complètement manqué son message. Parce que je suis sur le gros nerf. Ah oui, pistolet là, man. Pis y'a de l'eau. Si j'y touche, c'est dead. Je crois pas qu'il y a écrit. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce m'a fini ces niaiseries-là, non? Sont les autres. Hein? Je pense qu'il est parti se coucher. Il était à combien d'heures de... Salut Alex. Il est à combien d'heures de stream? Parce que là, il fait un marathon, c'est ça? Es-tu encore là-dessus, cette affaire-là? Un marathon? C'est con, parce que j'ai regardé son stream cet après-midi, mais j'ai pas porté attention si c'est encore un marathon. Ah! J'avais pas porté attention si c'était encore un marathon. Il fait du Dark Souls, ça je l'ai vu, Dark Souls 2. Il a fait 10 heures de stream, pour vrai, damn. C'est une machine. C'est pas sur cette chaîne-là qu'on verrait ça, en tout cas. Il m'en manque deux. Une là. Et une autre qui est dans l'arbre, juste là. Je suis où? Et je suis ici.
fait longtemps, un petit 12 heures à vous. Je vais mourir. Oh! Sauvé. C'est en haut, hein? Ah non, il est là! Complètement sous, pourquoi je voulais aller là? Je comprends pas. Ah, l'écho, man, est agressant dans cette épreuve-là. Oh! Parfait, c'était la dernière. Man, c'est tellement pas bon. Ces séquences-là, là, c'est... genre, je pourrais m'en passer. Pour vrai, je pourrais vraiment m'en passer. Genre, c'est pas mon Zelda, ça. C'est pas mon Zelda. Wow, un durian. Vous avez obtenu le grappin. C'est une des reliques sacrées de l'Hadès qui permet... Il permet à celui qui possède d'élargir son champ d'action. Viser les cibles ou les... Quoi? Ou les lières? Les lire? Je suis fatigué. Puis tirer pour vous... Ok, c'est beau. Ah, c'est quoi le dernier truc qui me reste à avoir? Je me rappelle plus, c'est quoi? Du feuillage. Ah! Les lire, mais oui, c'est le feuillage. Le truc pour s'agripper. Les jeux sont quoi? Expand donc. Attendez, j'ai envie de... C'est exactement ça, là. Il me semble qu'il y avait plein de trucs dans la zone. C'est parfait. Oh! Oh, que c'est satisfaisant! Enfin! Enfin! Il y a un bloc juste là. On le fait-tu, puis on sauvegarde? Bon, rends-toi! Il est drette devant moi, je peux faire ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça, cette merde-là? On peut pas cheater le jeu. Faut que j'aille où? Tu le pognes, lui? Imagine, je le pogne. Hein? Oh, il va tellement me faire payer. Il y a de la merde. De la chenoute. Là, sur la map, c'est pas écrit, genre, les blocs que j'ai vus. Oh, ça va être un enfer, man, revenir en arrière, pis tout. T'avoue, qu'est-ce qui arrêtait bien? C'est de se téléporter d'un point de sauvegarde à un autre. Ça, ça arrêtait bien. C'est ça, tu peux pas. Faut que je retourne dans le ciel puis je retombe. Après, ça sert à rien, ça. C'est pas comme de... Oh, y'en a un! Y'a un coffre! À... Pas de panique, pas de panique. Il est déjà minuit et demi. Allô? Il est où le trou? Il est là. Il faut un amiibo pour faire ça. Mais non, mais l'amiibo, il me remonte n'importe où, genre, sur la map. Je remonte dans le ciel n'importe où. Moi, mon but, c'est pas de me... de remonter n'importe où. Je veux me téléporter d'un point de sauvegarde à un autre. Ça arrêtait bien, ça. Alors, il me semble que, à l'entrée de la mine, vous allez voir ma mémoire de gamer. Au lieu de river en passant. Ah, come on. Ça aurait été satisfaisant, là, mettons. Non!
C'est mieux d'être vraiment bon. Ok, mais pour vrai, si ça c'est l'entrée de où est-ce qu'il fallait que j'aille, je suis sur le cul. Cette affaire là. Si je suis là. Qu'est-ce que je fais ici? Je pensais même pas venir ici. Je pensais qu'il y avait un coffre ou une patente. Bon. Oh, c'est bon ça! Comme c'est un coffre le truc. C'est un coffre, c'est un donjon, il y a une porte barrée pis tout. Une corne, fuck off. Un corde. Vous pouvez leur... Ah, oh, vous pouvez leur arracher avec votre fouet? Pardon? Venturo. Oh, quelle surprise de faire une rencontre ici! Je suis Venturo, et j'étudie la légende des trois dragons dans ce désert. Mais what the fuck, on a trouvé le truc sans voir le... sans le détecteur? Je sais que ça n'a pas l'air d'avoir grand-chose dans le coin, mais... j'ai justement le genre d'endroit qu'il faut... c'est justement le genre d'endroit qu'il faut... Tu t'appelles Link? Quel nom étrange. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Link? Tu cherches la flamme sacrée? J'ai déjà entendu parler de ça quelque part, mais peut-être pas. Ah oui! Je me souviens, les écrits anciens sur la mer de sable de l'Anel en faisaient mention. Je ne me souviens plus des détails, mais si tu continues tout droit, tu arriveras à la mer de sable de l'Anel. Faut une clé. Si, il y a la clé. Bonne chance. Oh, il y a des fourmis. Elle va dormir. C'est tout le temps de même. Elle va jamais dormir. C'est correct, moi ça me dérange pas. Ok, bye, bonne nuit. Là, finalement, c'est quoi qu'elle a écrit? J'étais curieuse. Là, ça n'a pas de bon sens, faut arrêter. Là, on est en train de s'aligner pour faire le cinquième donjon. Là. On se retrouve le dragon. Par où je suis arrivé? C'était la mine. Ça, c'est. Un autre soir! Comment ça, là, un autre soir? Un autre soir, quoi? Mais c'est con, ça. Oh ben, Crystal. Tantôt, en jouant, tu as dit c'est pas mon Zelda. Alors, je me demandais c'était lequel ton préféré. Tu m'as jamais répondu. Excuse-moi. Wind Waker. Ou... soit Wind Waker ou j'irai avec Link's Awakening. Ah ben au revoir tout le monde, ça m'a fait plaisir. Mais faut que ça arrête, je me fais pousser comme une guenille là. Mon dieu, on l'a éclaté avec la nouvelle épée. C'est pas ça qui se passait avant. Ah, oh, il y a un coffre. Ça a pas d'allure, faut que j'arrête de jouer. C'est de la drogue. On a jusqu'à 3e sinon. Mais c'est ça, CMS, faut que j'arrête. Faut que j'arrête absolument, c'est de la drogue, man.
Ah, puis là, je mets les raccourcis pour toutes ces affaires-là. Man. Faut que j'arrête. Faut que je pète le cube, là. C'est juste ça qu'il faut que je fasse. C'est le lasso. Oh, le lasso pour faire quoi? Ok, donne-nous tes Zelda que t'aimes le moins et ceux que t'as joué, pas ceux que t'as pas joué comme ça compte pas. J'ai pas fait la Triforce de la Honte sur Philippe CDI. Mais j'aimerais ça le faire. Parce que ça a l'air dégueulasse. sinon, je sais pas. Mais... Les Zelda sur DS, je les aime pas. Enfin, on se dirige dans pas très long. Regardez bien ça. J'ai fini d'arnaquer le chat. Là. On se dirige là-bas. Oh my god, il y a toutes les zones à refaire avec le grappin. Toutes les zones sont à refaire, mais... Ah, y'a pas un truc de sur... Ok, oui. Je retourne dans le ciel, puis... Parce que là, je pense que je peux upgrader mon bouclier. Fait que ça, je vais l'oublier, prochain sub, je le fais pas, là. Sur Insane, moi, perso, j'aime vraiment pas pantoute Zelda Twilight Princess. Moi aussi, genre, Zelda Twilight Princess, y'a comme un goût de Ocarina of Time 2. Je peux m'expliquer, moi, ça a eu... j'ai eu cet effet-là, genre, j'ai fait... Ah, je sais pas, c'est le même jeu. Tandis que Wind Waker, t'as l'impression... Moi, j'aime les Zelda qui sont marins. Genre... Ah, colasse. J'aime... Wind Waker, Link's Awakening. Tu sais, je sais pas, t'es sur une île. Quoique, c'est con ce que je viens de dire, parce que finalement, je dis que j'aime pas les deux Zelda de la DS. C'est un peu des Zelda un peu marins, mais je sais pas. Peut-être le train, c'est peut-être... Je sais pas. Les contrôles, genre, tout. Je sais pas, j'ai pas aimé. Ben, c'est le but. C'est quoi? Attendez, je lis le chat pour vrai, le corps de monstre. Les Zelda 3DS. Ben, les Zelda 3DS, c'était bien. C'est juste que c'est un... On dirait que je le classe pas comme un vrai Zelda. En plus, le Between... C'est quoi déjà? Between World? On dirait que c'est comme la suite de... C'est la suite du jeu au Super Nintendo, mais genre comme... 20 ans après, 25 ans après. Bon, mais j'ai le bouclier ultime. On peut arrêter, on va regarder les vidéos dans pas longtemps. Majora's Mask. Mais Majora's Mask pis genre Ocarina of Time, on dirait que ça va ensemble. Comme le Zelda de la Super Nintendo pis de la Game Boy, on dirait que ça va ensemble. Là, le Zelda de la 3DS, maintenant, il va avec. Bon. Attends, mais là, j'aurais dû regarder. Ah non, mais c'est vrai, c'est de la larve de guêpe. Crime, on a déjà le... Le bouclier au max. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, la potion! Je vais l'oublier encore. Là, je devrais faire quoi? Je devrais-tu prendre la potion mauve? Qu'est-ce que t'en penses, Brazeko? J'ai la rouge. Ça se peut-tu que ce bouclier-là, il pète pour de vrai puis je recommence à zéro, genre? On va voir la madame, le génie. Link Between World, le seul Zelda que t'as pas besoin de faire les donjons pour obtenir les items, c'était bizarre. Ouais, pour eux, il était vraiment bizarre. Mais il était pas mauvais. C'est ça, il était pas mauvais, mais... C'est pas un grand Zelda, genre. Les Zelda qui m'ont fait le plus triper, celui au Super Nintendo. Link to the Past. Ocarina of Time. Wind Waker, j'ai capoté ma vie. Puis après ça, la série a juste fait comme demain. Puis là, j'ai joué à Breath of the Wild, mais c'est comme trop différent. C'est trop... C'est trop... Hein. Moi, je le prends pas. De quoi tu parles? Tu prends pas ce bouclier-là? Nev, le scarabée est très utile en upgrade. Si tu veux, je te spoil ces upgrades. Mais l'upgrade, c'est juste la vitesse plus vite, mais il faut que je trouve la larve de guêpe. Right?
juste ça? Il manque la larve de guêpe. Moi, je prends pas la potion. De un, j'aime pas la musique. Ah, tabarnak. De un, je la trouve vraiment pas tant beau. Attends, mais de un, je la trouve pas tant beau. J'aime pas le style. De deux, j'apprécie pas le gameplay de Link Lou. Ouais, c'est un peu une gimmick. Mais en fait, à cette époque-là, Nintendo se cherchait un peu, là. Ils ont fait Zelda Wind Waker. Les gens sur Internet... Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Le monde sur Internet était fâché, là. T'es fâché que le Zelda Wind Waker, c'est un jeu comme pour enfants. Puis que Link avait l'air d'un... d'un cartoon. Pour vrai, moi, je me rappelle avoir vécu mon premier bad buzz, là. Avec ça. Fait que là, genre, parce que, en gros, quand Nintendo a annoncé la GameCube, le Project Dolphin, ils ont montré, genre, une démo technique où il y avait Link pis Ganondorf qui se battaient. Après, ils ont sorti Wind Waker. Le monde, c'est quoi cette merde-là? Puis là, tout le monde était là. Là, les fans Nintendo jouent à des jeux pour enfants. Puis votre manette, il y a un gros bouton dessus pour être sûr de savoir où appuyer. LOL! LOL! Puis là, ils ont fait, ah, ok, on va refaire Ocarina of Time 2. Puis là, on n'a pas d'idée. On va aller copier un peu Okami. On va aller copier un peu Shadow of the Colossus. J'ai plein de petits trucs. Là. Pour vrai, c'était n'importe quoi. Too much water. Non, mais c'était pas un vrai drama, Too much water. Pour vrai, là, la dernière fois que j'ai vécu un aussi gros bad buzz, ok, en jeu vidéo, c'était au début de l'internet. Zelda Wind Waker. Gros bad buzz. Le deuxième plus gros bad buzz que j'ai vécu, là. Là, on parle vraiment le même niveau, là, que tout le monde chie sur une compagnie, là. Microsoft avec la Xbox One. Avec le Kinect, puis le fait que c'était pas une console, puis les jeux, t'es possédé pas. Je te jure, c'était le même niveau, genre de LOL. T'es un fan Nintendo, on te ramasse. T'es un fan Microsoft, on te ramasse. Même Sony, là, durant la période PS3, c'était... c'était de la bouse, le lancement de la PlayStation 3, mais pas au même niveau. J'ai l'impression que, mettons, dans l'ordre là, de Bad Boss que j'ai vécu, là, la Xbox One, Wind Waker, puis la PS3 qui ressemble à une manette de un boomerang, genre, puis tout le truc, genre un grill, puis tout ça. La One, le début, là, c'était dégueulasse. Mais en fait, c'était plus le 3. Ils ont perdu le 3, puis même quand moi j'ai acheté la One au début, la console était correcte. J'ai joué à Dead Rising 3, j'ai joué à Killer Instinct, j'ai joué à Rise, Son of Run, tout ça, c'était cool. Moi, j'ai eu plus de fun avec ma Xbox One que ma PS4 parce que il y avait Knack puis Killzone. Et après ça, quand la PS4 a comme en partie, c'était rendu là. Twilight Princess, c'est un Zelda tellement overrated, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Ici, il y a plein de monde dans le chat qui adore ce Zelda-là. Nintendo a accepté le reproche de Wind Waker. La preuve, dans Smash, Link Cartoon. Ouais, ils ont accepté, mais... comme la réaction de Nintendo, c'est de refaire Ocarina of Time 2. Puis on dirait que la franchise a pas arrêté. Depuis ce temps-là, mais je trouve que la franchise a comme... Puis Breath of the Wild, ça fait du bien. C'est une bouffée d'air frais. Là, c'est où les larves de guêpe? Brazeko. J'essaie de pas rendre tout le monde fou avec la musique, là. Les nids de guêpes, faut que je pointe. L'arbre de guêpes se trouve au cœur de la forêt en face du temple de la contemplation. L'arbre de guêpes se trouve. Attends, mais c'est le premier temple, ça? C'est le premier temple? Le temple de la contemplation, c'est où, ça? Le temple numéro 1. Right? Je ferai pas ça à soir, là, mais. Comment il y a le truc pour sauvegarder? Il est là. Forêt de Fieron. Non, mais attends, dites-moi pas Forêt de Fieron. Il y a deux trucs, me semble. En Forêt de Fieron. Attends, mais... sauvegarde. C'est le temple numéro 1 ou c'est le temple numéro 5? Numéro 4. Temple de la contemplation. Ça doit être le 1, genre.